Aujourd'hui, cours 2, body training. Voilà, donc tout simplement, on est avec Baptiste et Lilian. Donc, principe, Baptiste, il va y avoir, comme d'habitude, 3 exercices de frappe et 3 exercices de renfort avec un signal sonore toutes les 45 secondes. Et voilà. Ouais, tout simplement, c'est ça. Ouais. Donc aujourd'hui, petit exercice, peut-être petite thématique, on va dire plutôt. Sur nos exercices de renfort, on va avoir des petites combinaisons, à savoir pour travailler deux groupes musculaires en même temps. Le premier, ça va être ciblé fléchisseur de hanche, abdominaux et un peu de bras, hein, du coup de pec. Et le deuxième, ça va être plus jambes, épaules. Et troisième, ça va être vraiment que les cannes. Voilà, donc vous savez tout. On est parti? C'est parti. Donc, nos trois exercices de frappe, Baptiste est en miroir pour les gauchers. Voilà, et moi je suis en miroir pour les droitiers. Tout simple. Donc, nos trois exercices de frappe. Toujours pareil, on va quand même essayer de rester dans la simplicité. Donc, on est en garde. Ici, on va commencer avec deux directs. Donc, 1, 2. À la reculon, donc à la reculon, c'est très français. Au retrait, on envoie une percute avant avec. Et on va attaquer l'affaire avec un coup de pied tranchant, à savoir le yo. On refait, on réessaye, on fait du début. Donc, deux directs. 1, 2, à la sortie, un hypercute avant, et d'ici on se sert donc de ce transfert de poids, on est en arrière, on a tout le poids sur l'arrière pour partir accélérer et balancer le yoko. Le yoko, on monte le genou, on pousse, on ramène le genou et on pose. Avec une poussée arrière, ok, il y a un petit pas chassé si je peux dire. On se le refait une dernière fois, allez, ça fait 1, 2, 3, 4. C'est bon pour vous? Donc vous allez voir, il va y avoir quand même pas mal d'exercices un peu plus différents qu'un fait d'habitude avec du transfert de poids. Et peut-être un tour. Alors c'est pas. Deuxième exercice. Pareil. On commence avec deux directs. Donc, 1, 2. Sauf que cette fois-ci, on va se laisser emporter par son poids arrière. Donc on va envoyer le pied avec. On va tourner vers l'extérieur. Et on va envoyer le coup de poing marteau. Donc vous pouvez frapper ou avec le dos de la main ou avec le dessous. On le refait, il y a juste ça dans cet exercice, hein. Il est un petit peu différent d'habitude. Pardon, je me suis coupé de jambes. Donc on commence. Ça fait poids avant, poids arrière, je suis mon poids arrière, je pars sur l'extérieur et je frappe ici. Donc si on doit faire plus rapidement, ça donne 1, 2, 3. Et encore, on peut aller encore plus vite, hein. On décompose toujours un peu. Une fois que vous avez frappé le dernier, bien sûr, on revient en garde et vous vous remettez du bon côté. Dernière fois comme ça, on le refait. Donc, 1, 2 et 3. Pensez bien que dans le deuxième coup de poing, vous commencez déjà à avancer, hein, tout simplement. Troisième et dernier exercice. Le premier, on rentre en yaku, donc en poing arrière. On se sert de ce transfert de poids pour envoyer un crochet. On envoie une percute arrière et on termine avec un maïri de la jambe arrière. Donc on va recommencer, hein, bien sûr. On commence point arrière, ça fait point arrière, crochet avant, percute arrière, et là on se laisse embarquer et on envoie un maïri. Donc un maïri, un front kick de face. On refait ça une dernière fois. Donc, point arrière, crochet avant, uppercut arrière, maïri, et c'est fini. Une dernière un peu plus rapide, donc ça fait 1, 2, 3, 4. C'est bon, vous l'avez, 3 exercices de frappe, nickel, on passe aux 3 exercices de renfort. Donc, pour nos 3 exercices de renfort, vous allez avoir besoin d'une petite charge additionnelle si c'est possible. Donc, vous pouvez prendre vous pouvez poser votre question. Sinon, vous pouvez prendre une bouteille d'eau, vous pouvez prendre un sac à dos que vous remplissez un petit peu pour avoir un peu de poids. Si vous arrivez à avoir, allez, 5 petits kilos, c'est parfait déjà. Si vous arrivez à en avoir entre 5 et 10, c'est le tout du tout. Donc, Baptiste, à toi de jouer. Ok, c'est parti. Donc, dans un premier temps, du coup, on va se mettre en position allongée, donc on va commencer avec ou sans poids, voilà, pour l'instant. On va être en position allongée, le buste légèrement relevé. On va
soit tendre les jambes complètement, soit légèrement fléchir. Ok. Et moi, du coup, je prends le point. Première variante, juste on monte avec les bras bien tendus. Essayez vraiment de placer vos coudes au niveau de vos épaules ou juste en dessous. Comme Baptiste, lui, il est juste en dessous. Voilà. Encore vas-y, petite rep ou deux. Voilà. Les coudes peuvent toucher le sol, bien évidemment. Voilà, comme ça on travaille tout dans l'entièreté. Deuxième variante, on va légèrement descendre. C'est un peu plus dur, on travaille plus sur les abdos. Et on fait la même chose. Ouais, attention. Et la troisième. Plus vous allez descendre vos jambes, plus ce sera difficile. Exactement. Et plus vous allez monter, plus ce sera facile. Le but étant bien sûr qu'il n'y ait pas de place pour laisser passer la main ici. Il faut que les lombaires soient bien collés au sol. Et la troisième, on va bouger en même temps les jambes et les bras. Un peu de coordination, ça fait du bien. Yes, nickel. Ok. Allez, le deuxième exercice. Hop là. Deuxième exercice. Moi qui m'occupe de vous pour le deuxième exercice. Deuxième exercice, donc, pied large sur bassin. Choisissez une des deux jambes. Talon, point, talon, point, talon, point. Trois fois. Vous êtes assez écarté ici. Première option. Ou juste vous descendez sur un côté. Donc vous avez vu, mon genou et ma pointe de pied pointent la diagonale. C'est pas la peine d'essayer de descendre trop bas. Vous devez sentir juste un léger étirement aussi à l'intérieur au niveau des adducteurs. Et après quand même, si vous pouvez descendre, ne vous en privez pas. Donc ça c'est la première variante. Ou juste ici. Deuxième variante. Avec un poids, on essaie de le tenir devant soi. Donc vous allez voir, c'est un petit peu difficile. Si jamais ça, ça va, vous pouvez essayer même sans passer par l'option 2. On le garde au-dessus de la tête, on stabilise tout, les épaules et les omoplates fixées derrière, et on fait la même chose. Voilà, vous avez vu, vous allez perdre un petit peu d'amplitude, hein, c'est normal. Un exercice qui demande pas mal de mobilité. Voilà, super. Donc okay. Là, je vais pouvoir choisir votre option, tout simplement celle qui nous va le mieux. À présent, le troisième et dernier, Baptiste, ton actif. C'est parti. Alors, pour le troisième dernier, on va partir en position assise, les fesses au niveau des talons. Donc, première option, on va monter sans céder des mains. Une, deux, et on monte avec la pointe des pieds. Donc, je refais le mouvement, on part position assise. Sans céder les mains, 1, 2, 3. Voilà, super, tout se passe en bas. Exactement. Deuxième option, toujours sans céder les mains, 1, 2, mais cette fois-ci on va rajouter un saut. Donc si vous voulez, si vous êtes plus à l'aise, on peut faire hop, un petit saut groupé, si vous êtes plus à l'aise. Ça c'était la deuxième option. Et la troisième option, un petit peu plus difficile, on va devoir faire ressort, hop, et après on saute. Donc je recommence. Hop, on descend bien et on saute. Voilà, super. Donc comme vous avez pu le remarquer, hein, on est en travaux. Donc il est interdit de se moquer de notre décor. Faites pas attention, c'est pas. Donc, voilà. Les trois exercices, c'est bon pour vous. Trois exercices de frappe, trois exercices de renfort. On a pris un petit peu plus de temps parce qu'il y avait des combinaisons. Donc on travaille deux groupes musculaires en même temps, donc c'est normal. Prenez de la place, j'espère que ça va pour vous. Et on est parti. Donc c'est bon, maintenant on a nos trois exercices de frappe, nos trois exercices de renfort. On est parti, on balance au circuit direct, let's go. Are you ready? Donc, premier exercice, donc on est 1, 2, Hercule et Yoko. Allez, let's go. Donc poids avant, poids arrière, transfert de poids avec le percute. Et on envoie le Yoko dessus d'après. C'est bon pour vous? Allez, let's go. 1, 2, 3, 4, voilà. Toujours en mouvement, hein. Baptiste, let's go! C'est parti! Je relève.
soit comme ça, soit comme ça. On prend la tenance. Et on descend. On descend un petit peu plus si on est plus à l'aise. Et si on est encore plus à l'aise. Yes. Allez, tu tiens comme ça, Baptiste. Nickel ça. Il reste 30 secondes. Attention de ne pas partir trop vite. Si vous sentez que ça devient trop difficile, n'hésitez pas à changer d'option en cours de route. Le but reste de travailler proprement. Et attention sur vos fléchisseurs de bien avoir les lombaires plaqués au sol. Allez, allez, allez. Super ça, Baptiste. Allez, en place. Deuxième exercice de frappe. Ouh, vous avez vu, ça tremble un peu. Dans une nez, indirect. Le deuxième, on suit. Et on envoie la rotation avec. Premier, deuxième, on suit. Et on va. Si ça, c'est bon pour vous, on accélère. Voilà, on frappe avec plutôt de la main ou le dessous. Voilà, c'est ça. Rapide, rapide, la transition doit être rapide. Là, c'est ça, vous l'avez, vous l'avez. 10 dernières secondes. Si c'est bon pour vous, pareil, on commence à se préparer pour le deuxième exercice. Prenez votre poids, votre charge. Ici, talon pointe, talon pointe, talon pointe. Pointe de pied, vers l'extérieur. Première option avec le poids ici. Juste on descend. Les fesses en arrière, le dos reste aligné. Pointe de pied, genoux à l'extérieur, je répète. Deuxième option. Troisième. On garde tout ici. Et on fait la même chose. 20 seconds. Allez, c'est ça. 20 secondes, on essaie de garder les bras tendus. Allez, 10 dernières secondes. Allez, on commence à se remettre en place, on va enchaîner de suite. Avec le troisième exercice de frappe. Yes. Vous l'avez. Poing arrière. Crochet avant. Uppercut arrière et le mind grip qui suit. Front kick. Yes. Let's go. 1, 2, 3, 4. Le 3 et 4, allez, 4 en même temps. Allez, let's go! 30 seconds. Ah, c'est ça. Si ça va, on va aller un peu plus vite. Hein. 20 seconds. 20 de la saison. Voilà, c'est ça, vite, vite. 10 seconds. 10 dernières secondes. Si c'est toujours bon pour vous. Troisième exercice de renfort, on se met en place. Pas de pause. Et let's go. Position assise, on dérange, on voit ses éléments, on va les mettre derrière. Ça, on finit, Baptiste, allez, allez, on va au bout. Yes. Respirez. Une minute de pause. Et après, on marre. C'est parti. On part.
tourner. 1, 2, percute et Yoko. Allez, let's go. Donc, poids avant, poids arrière, transfert de poids avec le percute et on envoie le Yoko dessus d'après. C'est bon pour vous? Allez, let's go. 1, 2, 3, 4. Voilà. Toujours en mouvement. Hein. Encore. Allez, 30 secondes. À votre rythme, à votre vitesse. Hein. Si c'est trop dur le Yoko, on reste ici, on bloque. C'est bon. Roule ouverture de hanche. Allez. Allez. Faites bien le transfert de poids. 10 dernières secondes. Allez, si c'est au bon point, on se met en place. Premier exercice. De renfro. Allez, Baptiste, let's go. C'est parti. Je réveille. Soit comme ça, soit comme ça. On prend la pause. Et on descend. On descend un petit peu plus si on est plus à l'aise. Et si on est encore plus à l'aise. Yes. Allez, tu tiens comme ça, Baptiste. Nickel, ça. Il reste 30 secondes. Attention de ne pas partir trop vite. Si vous sentez que ça devient trop difficile, n'hésitez pas à changer d'option en cours de route. Le but reste de travailler proprement. Et attention sur vos fléchisseurs de bien avoir les lombaires plaqués au sol. Allez, allez, allez. Super ça, Baptiste. Allez, en place. Deuxième exercice de frappe. Ouh, vous avez vu, ça tremble un peu. Dans une nez. Indirect. Le deuxième, on suit. Et on envoie la rotation avec. Premier, deuxième, on suit. Et on va. Si ça, c'est bon pour vous, on accélère. Voilà. On frappe avec le dos de la main ou le dessous. Voilà, c'est ça. Rapide, rapide, la transition doit être rapide. C'est ça, vous l'avez, vous l'avez. 10 dernières secondes. Si c'est bon pour vous, pareil, on commence à se préparer pour le deuxième exercice. Prenez votre poids, votre charge. Ici, talon pointe, talon pointe, talon pointe. Pointe de pied, vers l'extérieur. Première option avec le poids ici. Juste on descend. Les fesses en arrière, le dos reste aligné. Pointe de pied, genou vers l'extérieur, je répète. Deuxième option. Troisième. On garde tout ici. Et on fait la même chose. 20 seconds. Allez, c'est ça. 20 secondes, on essaie de garder les bras tendus. Allez, 10 dernières secondes. Allez, on commence à se remettre en place, on va enchaîner de suite. Avec le troisième exercice de frappe. Yes. Vous l'avez. Poids arrière. Crochet avant. Uppercut arrière et le maïdiri qui suit. Front kick. Yes. Let's go. 1, 2, 3, 4. Le 3 et 4, allez, 4 en même temps. Allez, let's go! 30 seconds. Ah, tout ça. Si ça va, on va aller un peu plus vite. Hein. 20 seconds. 20 de la saison. Voilà, c'est ça, du diète, du diète. 10 seconds. 10 dernières secondes. Si c'est toujours bon pour vous. Troisième exercice de renfo, on se met en place. Pas de pause. Et let's go. Position assise, on dévance, on passe les éléments, on va les mettre derrière. Yes, super ça.
secondes. Allez, 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 allez. C'est bon, ça, on finit, Baptiste. Allez, allez, on va au bout. Yes. Respirez. Une minute de pause. Et après, on marre. C'est parti. Part. Donc, premier exercice, donc on est 1, 2, Mercure et Yoko. Allez, let's go. Donc, poids avant, poids arrière, transfert de poids avec le percute et on envoie le Yoko dessus d'après. C'est bon pour vous? Allez, let's go. 1, 2, 3, 4. Voilà, toujours en mouvement. Hein. Baptiste, let's go! C'est parti! J'aimerais soit comme ça, soit comme ça. On prend la tenance. Et on descend. On descend un petit peu plus si on est plus à l'aise. Et si on est encore plus à l'aise. Yes! Allez, tu tiens comme ça, Baptiste! Nickel ça! Il reste 30 secondes! Attention de ne pas partir trop vite si vous sentez que ça devient trop difficile. N'hésitez pas à changer d'option en cours de route. Le but reste de travailler proprement. Et attention sur vos fléchisseurs de bien avoir les lombaires plaqués au sol. Allez, allez, allez. Super ça, Baptiste. Allez, en place. Deuxième exercice de frappe. Ouh, vous avez vu, ça tremble un peu. Dans une nez, indirect, le deuxième, on suit et on envoie la rotation avec. Premier, deuxième, on suit et on repart. Si ça, c'est bon pour vous, on accélère. Voilà, on frappe avec plutôt de la main ou le dessous. Voilà, c'est ça. Rapide, rapide, la transition doit être rapide. C'est ça, vous l'avez, vous l'avez. 10 dernières secondes. Si c'est bon pour vous, pareil, on commence à se préparer pour le deuxième exercice. Prenez votre poids, votre charge. Ici, talon pointe, talon pointe, talon pointe. Pointe de pied, vous vers l'extérieur. Première option avec le poids ici. Juste on descend. Les fesses en arrière, le dos reste aligné. Pointe de pied, genou à l'extérieur, je répète. Deuxième option. Troisième. On garde tout ici. Et on fait la même chose. 20 seconds. Allez, c'est ça. 20 secondes, on se dégage les bras tendus. Allez, 10 dernières secondes.
front kick. Yes. Let's go. 1, 2, 3, 4. Le 3 et 4 avec 4 mains en même temps. Allez, let's go. 30 seconds. Ah, tout ça. Si ça va, on va aller un peu plus vite. Hein. 20 seconds. Fin de la saison. Voilà, c'est ça, tu viens, tu viens. 10 dernières secondes. Si c'est toujours bon pour vous, troisième exercice de renfort, on se met en place. Pas de pause. Et let's go. Position assise, première option, c'est pour posséder les bras, on va les mettre derrière. Yeah, super ça. 30 seconds. Bon, c'est bien, je vais tirer la jambe avant de pousser. 20 seconds. 20 dernières secondes. Voilà, parfait ça. 10 secondes. Allez, 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 allez. Ouh. C'est bon, ça, on finit, Baptiste. Allez, allez, on va au bout. Yes. Respirez. Une minute de pause. Et après, on marde. C'est et parti. On part. Donc, premier exercice, donc on est 1, 2, percute et de go. Allez, let's go. Donc, poids avant, poids arrière, transfert de poids avec le percute et on envoie le loco dessus d'après. C'est bon pour vous? Allez, let's go. 1, 2, 3, 4. Voilà, toujours en mouvement. Hein. Baptiste, let's go! C'est parti! J'aimerais soit comme ça, soit comme ça. On prend la tenance. Et on descend. On descend un petit peu plus si on est plus à l'aise. Et si on est encore plus à l'aise. Yes! Allez, tu tiens comme ça, Baptiste! Nickel ça! 30 seconds! Il reste 30 secondes! Attention de ne pas partir trop vite si vous sentez que ça devient trop difficile. N'hésitez pas à changer d'option en cours de route. Le but reste de travailler proprement. Et attention sur vos fléchisseurs de bien avoir les lombaires plaqués au sol. Allez, allez, allez. Super ça, Baptiste. Allez, en place. Deuxième exercice de frappe. Ouh, vous avez vu, ça tremble un peu. Dans une minute,
un direct, le deuxième on suit et on envoie la rotation avec. Premier, deuxième on suit et on repart. Si ça c'est bon pour vous, on accélère. Voilà, on frappe avec le dos de la main ou le dessous. Voilà, c'est ça. Rapide, rapide, la transition doit être rapide. Vous l'avez. 10 dernières secondes. Si bon pour vous, pareil, on commence à se préparer pour le deuxième exercice. Prenez votre poids, votre charge. Ici, talon pointe, talon pointe, talon pointe. Pointe de pied, vous vers l'extérieur. Première option avec le poids ici. Juste on descend. Les fesses en arrière, le dos reste aligné. Pointe de pied, genou vers l'extérieur, je répète. Deuxième option. Troisième. On garde tout ici. Et on fait la même chose. 20 seconds. Allez, c'est ça. 20 secondes. On essaie de garder les bras tendus. C'est ça. Allez. 10 dernières secondes. Allez, on commence à se remettre en place. On va enchaîner de suite. Avec le troisième exercice de frappe. Yes. Vous l'avez. Point arrière. Crochet avant. Uppercut arrière et le maïdiri qui suit. Front kick. Yes. Let's go. 1, 2, 3, 4. Le 3 et 4 avec 4 en même temps. Allez, let's go. 30 seconds. Ah, tout ça. Pas de pause! Et let's go! Position assise, première option, c'est pour passer des devants, on va les mettre derrière. On finit Baptiste, allez, allez, on va au bout. Yes. Respirez. Une minute de pause. Et après, on marche. C'est parti. On repart. Donc, premier exercice dans ce tournée. 1, 2, percute et yoko. Allez, let's go. Donc, poids avant, poids arrière, transfert de poids avec le percute et on envoie le yoko dessus d'après. C'est bon pour vous? Allez, let's go. 1, 2, 3,
Allez. Faites bien le transfert de poids. 10 dernières secondes. Allez, si c'est au gros fond, on se met en place. Premier exercice de renfro. Allez, Baptiste, let's go. C'est parti. Soit comme ça, soit comme ça. On prend la tenance. Et on descend. On descend un petit peu plus si on est plus à l'aise. Et si on est encore plus à l'aise. Yes. Allez, tu tiens comme ça, Baptiste. Nickel, ça. Il reste 30 secondes. Attention de ne pas partir trop vite. Si vous sentez que ça devient trop difficile, n'hésitez pas à changer d'option en cours de route. Le but est de... Le but reste de travailler proprement. Et attention sur vos fléchisseurs de bien avoir les lombaires plaqués au sol. Allez, allez, allez. Super ça, Baptiste. Allez, en place. Deuxième exercice de frappe. Ouh, vous avez vu, ça tremble un peu. Dans une ligne, indirect, le deuxième, on suit et on envoie la rotation avec. Premier, deuxième, on suit et on repart. Si ça c'est bon pour vous, on accélère. Voilà, on frappe avec le dos de la main ou le dessous. Voilà, c'est ça. Rapide, rapide, la transition doit être rapide. Vous l'avez. 10 dernières secondes. Si c'est bon pour vous, pareil, on commence à se préparer pour le deuxième exercice. Prenez votre poids, votre charge. Ici, talon pointe, talon pointe, talon pointe. Pointe de pied, vous vers l'extérieur. Première option avec le poids ici. Juste on descend. Les fesses en arrière, le dos reste aligné. Pointe de pied, genou vers l'extérieur, je répète. Deuxième option. Troisième. On garde tout ici. Et on fait la même chose. 20 seconds. Allez, c'est ça. 20 secondes. On se fait garder les bras tendus. C'est ça. Allez. 10 dernières secondes. Allez, on commence à se remettre en place, on va enchaîner de suite. Avec le troisième exercice de frappe. Yes. Vous l'avez. Point arrière. Crochet avant. Uppercut arrière et le maïdiri qui suit. Front kick. Yes. Let's go. 1, 2, 3, 4. Le 3 et 4 avec 4 en même temps. Allez, let's go. 20 seconds. 20 dernières secondes. Voilà, c'est ça, piquette, piquette. 10 seconds. 10 dernières secondes. Si c'est toujours bon pour vous, troisième exercice de renfo, on se met en place. Pas de pause. Et let's go. Position assise, première option, c'est pour posséder les membres de mes arrières. Yes, super ça. 30 seconds. Bon, c'est bien, je vais sur la jambe avant de passer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 seconds. 20 dernières secondes. Voilà, parfait ça. 10 secondes. Allez, 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 allez. Ouh. C'est bon, ça, on finit, Baptiste. Allez, allez, on va au bout. Yes. Ouh.
un peu. Donc, merci à toutes et à tous d'avoir suivi le cours. On espère que ça vous a plu. Donc, c'était Baptiste et Lilian. Donc, du coup, pour un cours de body training, du coup, n'hésitez pas à nous faire des retours sur maintenant qu'on a une très belle page Facebook. Très belle page Instagram. Instagram aussi. Ah ouais, voilà. C'est simple le sens. N'hésitez pas à nous faire des retours si vous voulez travailler quelque chose en particulier ou des petites améliorations, cet exercice était trop dur ou n'importe. Voilà, bon, encore une fois, on vous l'avait dit pendant le cours, mais on est un peu en travaux. Donc c'est normal si vous avez vu des tapis ou des cartons dans un coin. On essaiera de quand même pouvoir filmer dans de bonnes conditions au maximum. Du moins, on va maximiser voilà, ces conditions. Puis on se dit à très vite. Ouais, prenez soin de vous. Merci pour votre motivation et à bientôt. À bientôt.